Après, on a Galio Kindred. On a une bonne comp, hein, mais... Personnellement, je vais pas passer une game très très agréable, je pense. Oh. Je taille ou pas? Ils ont tu sais pas le truc quand même hein. Double sum varus et Il'jana. J'aurais peut-être dû recall. Use the wave. Je la freeze. Y'a pas potion putain sur le level 1. Je vais pote, je pense. Je sens que ça va partir en couille vite là. Tu as la grosse décrip. Ouais, il faut que tu sors du bush et que tu re-rentres, frérot. Oh putain. Est-ce qu'on dive? Tu sais que moi je suis chaud de dive, hein. Ah, Kindred veut pas. No sum, bof bot. Tu sais que j'étais vraiment chaud de dive, hein. Rengar est là, il va bientôt se rendre compte. Du poteau rose. Non, c'est Rengar, il est au Raptor. S'il a osé partir au Raptor, c'est vraiment fou. Check dans ce bush viteuf au cas où. Ok. Nice, on a la marque bot side et tout en plus. Tellement dommage qu'il y ait flash sur Malza. Je vais tracer. Alors ça se termine quand même bien cette histoire. Hein. Ok. Ça va, je vais quasi rien perdre de la wave. Oh. Ils peuvent peut-être le kill. Ah non, je pense pas, si. C'est pour décéder. Non. Ok, ça va, ils ont pas push la wave trop vite. Passer d'AS. Oh putain. J'en ai raté pas mal, mais j'en ai quand même eu pas mal aussi. Y'a quoi? Y'a Janna top. Je vais crash du coup. Dive. Vas-y, go crash du coup. Hein.
Nice. La démat m'en avait pas de stack, non? Je crois qu'elle m'a juste démat mon canon au calme. 10 wave, oui, 10. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 10. C'est ça. Ah, j'ai de la play de game. On pleut pour se faire chier. Merci Rel. C'est très aimable. Merci beaucoup Viz pour le sub, bienvenue. La démat un caster mais avait sa stack. Non, elle démat le caster sur la wave d'avant, mais là tout tour elle démat le canon, elle avait pas son stack. Hein. Elle m'a tranquillement volé, volé 80 gold, bon c'est pas grave. Je lui pardonne. Qu'est-ce qu'on peut faire là dans ce setup? On va récupérer notre wave, tranquillou. J'ai un peu plus d'AS. Plus simple de la stit. Ok, j'ai 18-16 d'avance sur Varus, il a une dague. J'ai Noon Kiver. Je sais pas trop pourquoi il démat, peut-être Fever Recall, mais... Ouais, y'a rien gars. Je peux pas jouer au jeu là. Il est plus là hein, je pense. Après on peut toujours dive hein. Vas-y go push Drake, j'aime bien ce call. Creeper trail pour troll back. Bah le back de elle est pas mauvais, le problème c'est le démat qu'elle met avant quoi. Je me auto pour t'aider. Pour push hein. On a joué un bleu, on aurait pu jouer Drake mais... Et Kindred va grid un petit peu. Va start le Drake sans prio. Varus a l'air d'avoir recall. Attends, il avait vraiment pas de stuff donc... Faut bien qu'il achète un petit peu des items sinon... Ça va vraiment être une grosse victime. Ok, on a le Drake, je pense que je vais recall là. Normalement je suis pas wardé. Ouais c'est bon, on a le Drake. Faire des bots attack speed quand même ouais. Ah the monsters are coming, we'll be ready, I'll make sure. It's fine, I don't know anything about this game, my bad, happens. Ah, j'ai perdu le tracking là, c'était très très risqué d'aller poser cette ward. Je sais plus où était Varus. S'il est dans le bush, qui meurt au moment où j'arrive. Je suis finito, 5 gold. Une infobot. Il va slow push ça, j'ai 20-16 plus d'avance sur Varus. Ça va mal aux yeux, je sais pas pourquoi, je prends un coup. Vas-y, prends, prends. Je suis gris d'un poil.
Bah évidemment lui laisser la wave. Ah. Il a pas la vision. Quoi? Comment il peut me voir? Son ult encore? J'étais encore tag par son ult? Ok, tout est bien qui finit bien les gars. Bon tranquille, tout est bien qui finit bien. Plus de flash. Ah c'était un peu ambitieux parce que c'était Wardella, je le savais en plus. En fait, là où j'aurais dû être plus sharp intellectuellement, c'est que la marque de Kindred venait de proc il y a pas longtemps. La marque de Kindred ne peut pas proc sur un camp qui est mort. Du coup il proc forcément sur un camp qui est en vie et quand j'ai W, pour check justement s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'attendait, eh bien, si je vois des WP cette team, je joue AP. Eh bien, le groupe était plus là. C'est-à-dire que le groupe venait d'être fait. Du moins, il n'y a pas longtemps. Donc, il y avait une grande probabilité que le jungle soit dans le coin. Ah putain, ils sont tous fait fumer là. Ça ira de mid. Ok, ça va être Wardy. Non, pas par là, ça peut pas être Wardy là, je viens de prendre la plante. Je sais pas. Bon, j'ai encore 36 d'avance sur Varus. Malzahar est plutôt bien. Nice, c'est très bon ça. Tu vas utiliser dans le juste pour cancel rail. Ça va vraiment nous ouvrir le jeu. Janna est top. Ok. Allez, allez, tuer. Nice. Je suis pas trop pressé. J'ai pas de first blood tourelle à récupérer particulièrement parce qu'on va pas le perdre d'ici là. Donc je vais essayer de deny autant que possible tout ce que je peux à Varus. Je fais toujours évidemment attention à prendre. Bien, j'ai l'argent de la tour qui va bientôt tomber, surtout avant les 14 minutes. Ah, il y a la marque. Kinad a son ult encore. Je pense qu'on peut le grid ce Drake. Oh, ça m'a hit. Putain, j'ai Ghost pour l'outrun, ça m'a touché. Alors, en fait, le sort a fini sa range. Et ça m'aïte après, genre, pendant ce temps que Santé se met au max au top. Je pense que je vais rester bot lane. Well played. Vas-y, je mets du coup.
Merci au Macbast pour les 8 mois, merci beaucoup. C'est vrai que ça va alors cette prise de masse. Bah écoute, ça va, prise de masse réussie, j'ai PB vendredi au DC. On bosse quoi, on bosse hein. Bientôt aller faire des concours. Nice. Y'a pas l'ulti Galio. Sinon j'aurais dive Varus 1. J'aurais Erin. Enfin Zedin Erin. T'inquiète, t'inquiète, je vais reculer. Y'a les râles là. Ah, les récup. Je pense que ça vient de warder là, à mon avis. On va plus jouer au jeu. 4-0-1, 4-0-1. Stylé! J'ai spam mon flash pour flash entre l'ulti Varus et l'ulti Malzahar et ils m'ont chopé pixel timing, hein, je pense. Hein. Ouais, une QSS va être intéressante dans cette game. Jouer au jeu en 2023. Hein. Compliqué. Parce que j'attends 35 gold. 30 gold, allez, je les attends, je pense, pour les Genzo. Je vais aller au bot vite fait. Je vois pas le timing du prochain Drake. Je vois pas le timing du prochain Nash. Je vois pas le timing du raid, mais ça osef. On peut jouer à League of Legends ou c'est personne sauf moi, genre? Ou tout le monde sauf moi? Frère, je me fais ulti Malzahar, je meurs. Après, j'ai attendu du temps à la base. Je reviens, je me dis, je vais lui fumer sa mère. Je go in sur lui, instant de TP de Sion. Je recule, flash in Malzahar, re-air. Et Rengar qui arrive sous ulti qui me tue. Enfin, c'est quand même. C'est bon aussi. Voilà, vous allez être puni, vous allez être puni. Voilà, vous allez être puni. Eh oui. Bien sûr qu'il y a une punition. Appuie sur des boutons, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de jouer. Vas-y, chope-le, chope-le, chope-le. T'as vu la marque? Ah ouais, je sais pas ce qui est le pire. Ne vraiment pas pouvoir jouer au jeu? Ou alors avoir l'illusion de pouvoir jouer, comme ce qu'est Varus là? Mais en fait, bah il peut pas jouer. Ok, on a Dref, on a T2 mid. We need to play together. And don't grid. It's true. Cancel, l'évolve. Drake dans 17. Ah quoi, my out du coffre? Out out ou out juste en loser? Ça ligue jusqu'à la TMGL, ouais. On aura pas eu de match du coup, Casa Solaris ici. Si. On a eu un match winner, j'avoue que j'ai pas trop pu suivre. Stylé, c'est la moitié bloquée.
Je vais back. Par contre, juste ce suivant, hein. Il est très tanky. Après, Kindred la rage, je pense. Attends, moi j'ai quand même deux items avec Ginzu et tout. Je vais arrêter de BRK first. Je ferai ça prochain patch, je pense, quand Stick sera nerf. Que penses-tu de ma technique? Technique anti-tilt. Quand une game est merdique, arrêtez de faire autre chose pendant des heures. Comment ça? En mode, tu as inventé le concept de pause? Putain, GG, mec. Tu as pensé tout seul ou c'est quelqu'un qui t'a donné l'idée? Parce que franchement, c'est smart de baiser. Genre en mode, t'as une game, genre ça se passe pas bien et genre, tu fais une petite pause. Putain, tu sais que c'est trop smart, hein. C'est une dinguerie. Copyright à moi, putain. Tu sais que j'aurais trop aimé pouvoir avoir cette idée-là, mais... Pff. Non, GG, respect. Allez, ça gonache là. Je peux le tuer lui? BOUM! J'augmente mes stats de dégâts fin game. Merci Casio. On a les alertes d'ailleurs là, de sub ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y a pas les alertes sur le stream. Tout est pété, il se passe quoi là? Je push top moi. Il n'y a pas les alertes, ouais, je vais régler ça. Alors, don sub. Je refais un test. Hop là. Problème réglé. Peut-être que j'avais pas le son. Je sais pas si c'était moi qui buguais ou si c'était ouf. Ouais, je vais juste faire ça, je pense. Ok, c'est bon, normalement. Je refais un test. Ok, c'est bon. Simon, ton d'Uzra. Fais-moi le beau, faut ça. Ok, très bien, j'ai compris, je ne parle même pas. Yoya, la bonne journée, cher streamer, du nom de Wax. Je ne parle même pas, frère. J'avoue que j'ai pas max le, du coup j'ai appuyé sur eux en pensant que j'avais, mais il me manquait 3 secondes, ce que j'aurais eu si j'avais appuyé sur... Enfin, si j'avais level up mon E. J'aurais du R, du coup. Je n'ai pas R, my bad. Merci beaucoup, Adrien Dici, pour les 7 mois. J'allais dire, on fait moins le beau contre la Kaisa AP, Sion, mais bah, en fait, bah... Je serais 611 dégâts de Turnmaid, d'ailleurs, stylé. Ok, il est où, lui? Godrek. Instant de karma. Tu sais que je me fais tout le temps instant de karma. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Sur League of Legends, c'est systématique. Surtout, hein, c'est systématique. Hein. Dès que j'ouvre ma gueule, hein. Il se passe absolument l'inverse. Hein.
Direct, je suis là en mode oh putain nice, mon top laner il joue bien, il se fait solo kill. Vraiment dans les 4 secondes qui suivent. Hein. Hier c'était pareil, hier j'ai joué Elden Ring. Je commence ma blague sur les chauves. Instantanément mort. Bonne estimation. Non, oh, putain, je sais pas pourquoi je pensais qu'il allait dodge à gauche. Ah ouais, d'accord, tu exhaust. Kindred toujours en vie. Le problème avec Sion, non ? Bien stylé. Let's end it clean, guys. C'est Karma qui t'a instant, je croyais que c'était Rengar, my bad. Attendez les gars, deux secondes, faut que je banne un mec toxique dans le chat là. Ok, c'est bon, excusez-moi, je permets un mec parce que bon... Toxicité, c'est un peu limitant. C'est vrai que Kindred s'est fait ultime Alzar entre... Enfin, sous la T4 là. Tu as Trinket ? Gonage. Tell yourself you will live. Believe it, Kaiser. 20 secondes Nashor. Oh, il m'a pas vu hein. Je push mes devant plus N. Tiens, dans ton gros cul, Rengar. Ok, on pensait LP, bien joué. GG guys. Quand je supporte une équipe de vie, on a des blagues de vieux, désolé, pas de soucis. Hein. Ça arrive, je peux comprendre. Fais de l'humour avant de mourir, hein. Avant de mourir de vieillesse. Un jeu Kindred, hein. Jungle diff, Asper usual. C'est moi, Zeri est faible contre Kaisa EV, non 1v1. Ah, Zeri est faible tout court en 1v1. Zeri, c'est pas trop un champion de 1v1. Mais y'a pas beaucoup d'Aikari qui sont forts contre Vayne en 1v1. Et y'a pas beaucoup d'Aikari qui sont forts contre Kaisa en 1v1.